La zone en fait, tout simplement. Le seul truc que j'avais peur en fait, c'est que les câbles et tout ce soit un bordel. Parce que j'ai pas des câbles non plus de 25 mètres. Du coup, c'était un peu galère à tout mettre en place et tout. Mais finalement, tout va bien. Juste quand j'ai rebranché la table de mixage, forcément, j'avais plus de son sur l'ordi de jeu. Je sais pas comment j'ai fait. D'ailleurs, faudrait que je te pose la question. Est-ce que c'est normal que la prise paratonnerre, il y a un petit bouton rouge à côté, j'ai appuyé dessus, ça a fait disjoncter tout l'appartement. Je sais pas si c'est normal. Yonai Twitch, comment ça va? Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, j'ai fait disjoncter l'appartement en appuyant sur ce bouton. Mais bon. My bad. Sorry, c'est pas ma faute à moi, ma Lolita. Ouais, je suis un peu surexcité comme une pute. Comme une puce, pardon, excusez-moi. Vraiment, il y a des fois, il y a des mots qui sortent tout seuls. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Non, mais en tout cas, en plus, là, je vois, on m'entend bien. Le micro est à peu près similaire à d'habitude. Vous le voyez quasiment pas, ou voire pas du tout. Donc, vous voyez que moi. Et c'est un pur kiff, putain. Franchement, là, comment je suis positionné? C'est limite ma position idéale, peut-être. Je dis bien peut-être. Peut-être! Je ne sais pas. Je ne sais. Peut-être que demain je vais faire, mais c'est de la merde. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Là, pour l'instant, on va rester comme ça et ça a l'air d'être plutôt pas mal, hein, vraiment. D'ailleurs, en passant, j'ai enfin la manette Xbox qui va arriver. Elle est en chemin. Donc ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ils m'ont enfin envoyé la manette. Et puis, bah écoutez, en vrai, j'ai envie de vous dire. Let's go, hein. Let's go, let's go. Ça va, t'as passé un bon petit week-end, Night Twitch? Les gars, je suis vraiment désolé pour samedi. Hein, encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir été là samedi. J'ai eu des complications de santé et du coup, qui ont fait que je n'ai pas pu du coup être présent samedi soir pour le stream et samedi après-midi. Donc voilà, je suis désolé encore. Que j'ai accès au planning. J'ai le planning quelque part cette semaine. Je crois que je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Tac. Je vais vous montrer le planning de cette semaine. Source média. Tac. Ah non, ça doit pas être source média. Alors c'est sur le bureau, peut-être dans images. Non. C'est pas source média? C'est quoi du coup? C'est quoi qu'il faut mettre quand tu mets une image sur... Ah bah c'est image. Des fois, faut pas se faire chier, quoi. Hop! Et regardez-moi ce planning de fou furieux, quoi. Alors, bon, bien évidemment, je vais pas vous présenter le jeu d'aujourd'hui. Je pense que bah, vous l'avez compris, hein. C'est tout simplement Pokémon qui se trouve juste là. Hein, juste ici, là. Écoute, moi, ouais, ça va, j'ai passé une bonne journée ce matin, c'est passé très vite au taf. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais il y a une loi apparemment pendant les vacances d'été qui interdit les véhicules de type camion de circuler le samedi. Donc, je sais pas si vous le connaissez, si vous saviez ce truc-là, mais moi je ne le connaissais pas. C'est surtout les horaires qui ont changé au rond, mais non, enfin, oui, c'est quasiment le même que celui de la semaine dernière. Du coup là en gros on a du Pokémon pour aujourd'hui. Demain on commence à midi. Alors attendez, tac, je vais me mettre comme ça et je vais me déplacer. Ici, on commence à midi pour du Zelda Ocarina of Time sur la Switch, bien sûr. Là, je vais plutôt faire comme ça. Là, Star Wars Jedi Survivor, on va essayer de le terminer. Pourquoi? Cette semaine, je parle pas forcément que demain, mais on va essayer de le terminer parce que on a plusieurs jeux qui sortent cette semaine. On a plusieurs jeux qui sortent cette semaine, les gens notamment par exemple The Expanse qui sort. On a également Star Trek. Je suis pas très fan de Star Trek, mais je me dis ça ressemble un peu à tous les jeux Telltale Games, etc. Donc pourquoi pas essayer de faire un petit Star Trek. Ça reste une série dans l'espace. Au même titre que par exemple Callisto Protocol, Dead Space, même si après dans ces trucs-là t'as un côté un peu plus horrifique avec comment dire, des sortes d'aliens chelous. Ça a l'air moche. Ouais, mais
c'est pas grave ça. The Expanse aussi, en réalité, il a l'air moche. Hein. Franchement, je vois un peu des trucs. The Expanse, c'est une série Amazon. Non, quand, si tu mets un A à la place du deuxième E, eh ben, c'est le jeu de Telltale Games. Il y a également Remnant 2 qui sort cette semaine. On va être, je vais être obligé de le prendre sur console en plus si je vais jouer avec ma sœur. Ma sœur, M-A-sœur, hein, bien sûr, pas ma sœur à moi, parce qu'elle, elle ne jouerait pas, et surtout pas à Remnant 2. Donc voilà. Et puis, bah, écoutez, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui sort non plus prochainement. Peut-être Armored Core. Il y a Hangard aussi, il me semble. Je ne sais plus quand est-ce qu'il sort Hangard, je crois qu'il sort au mois d'août. Mais il faudra voir. Mais bon. On dirait un truc PS2. Oh, ça va. En vrai, ça va. Mercredi, j'ai mis chill, je sais toujours pas à quoi on va jouer. Jeudi, on joue à Divinity Original Sin 2 avec Floël. Vendredi, on continue Star Wars Jedi Fallen Survivor, pardon. On essaie de le terminer. Ensuite, samedi après-midi, c'est le chill. Samedi soir, on fait ce qu'on était censé faire samedi dernier, c'est-à-dire le Ghost Watchers avec Arrow et Floël. Parce qu'on était censé faire ça samedi là, mais vu que j'ai eu des imprévus de dernière minute, ça n'a pas été possible. Dimanche matin, enfin dimanche 13h, on fait du Zelda et après on enchaîne sur Dying Light 2. On refait quand un truc à deux? Bah t'as proposé, après t'es plus revenu vers moi. T'as proposé le jeu avec les pingouins et après, pas de nouvelles. Je me dis pas de nouvelles, bonne nouvelle hein. Ce que j'ai fait toute ma vie, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Non mais ah oui c'est vrai, bah voilà. Non mais je rigole, oh là là. Je rigole quand je dis pas de nouvelles, bonne nouvelle, oh. Là je vais regarder un truc vite. Genre je te dérange en fait. Genre je te dérange. Hein. Et non, tu me déranges pas, voyez. Alors. Une heure utilisée avec un téléviseur. Non mais ok. Hein. Ah non mais en vrai si il faudrait qu'on se. What? Ah c'est bon. C'était quoi le nom déjà? En vrai tu remontes juste un tout petit peu dans notre con, je crois que tu arriveras facilement à le trouver. Mais Match 3. Donc voilà. En tout cas, moi je suis assez satisfait de comment j'ai rangé mon bureau là. Franchement. Et non, l'endroit où je dors n'est plus le même. Je ne dors plus à l'endroit où je joue. Ça fait plaisir. ça fait plaisir. Je t'avoue que, en vrai. En vrai, c'est vachement cool. Non, mais voilà. En tout cas, sachez que bah, prochainement, limite la semaine prochaine, si on arrive à terminer Star Wars Jedi Survivor cette semaine, dès la semaine prochaine, vous avez déjà deux nouveaux jeux qui commencent. Remnant 2, ainsi que justement le petit The Expanse. T'en es où? J'en suis où dans Jedi Survivor? Toujours la chaise que tu as. Ça par contre, ouais. Mais en fait, le problème, c'est que je n'y connais rien en chaise. Et j'ai peur de prendre une chaise et que ça ne va pas. Donc, c'est trop chiant. C'est la galère. Où est-ce que j'en suis? Bonne question. Où est-ce que j'en suis dans Star Wars? Qu'est-ce qu'on avait fait déjà? Il me semble que j'avais tué une sorte de grosse bestiole avec Meryn. Où du coup j'apprenais la possibilité de pouvoir dash. Il me semble que c'est ça. Hein. J'apprenais la possibilité de pouvoir dash et... C'était cool. Ouais, il me semble que c'est ça. Hein. À travers les murs verts, ouais, c'est ça.
Voilà, je suis au chapitre 4, je crois, si j'ai bien... Non, 3. Il y a 6 chapitres. Ah ouais. Voilà, on a terminé le chapitre... Ah oui, d'accord, on a fait la moitié du jeu, en fait. Là, je vais peut-être prendre une chaise gaming. Ah ouais. Tu vas prendre quoi comme chaise gaming, toi? Un retour, ouais, vas-y. Là, j'hésitais à prendre la... J'avais regardé la... une secret lab. Non mais t'es malade. Malade, une secret lab à mon âge. Rien à voir. Non mais une secret lab, c'est méga cher. C'est fou. Il est malade, hein. Il est malade celui-ci. Il veut que je prenne une secret lab. Regarde, secret lab, nouvelle génération. Combien ça coûte? Allez, allez, on lance les paris, un petit 500 balles. Déjà, il y a les bureaux secrètes là, gros. La ergo chair. C'est quoi la ergo chair? À quoi toi, rond comme chaise? Ah oui, toi, t'as ta chaise qui fait des loupiottes là, ou des ventilateurs, je sais pas quoi là. Déjà, tu vois, des chaises, j'ai l'impression, c'est pas en dessous de 500 balles les secrètes là-bas. Chaise ergonomique? C'est quoi que t'as? Mais toi, laquelle t'as... c'est laquelle que t'as, toi? Une chaise ergonomique que t'as, toi? Un truc Amazon. Ah oui, d'accord. Mais les Ergo Chair. Non, la Ergo Chair. Quoi, la Ergo Chair? Ergo Chair Pro. C'est quoi, ça? 574 euros. De ma gueule ou quoi? Chaise de bureau ergonomique. Chaise de bureau. Mon dos de pépé, ça. Mon dos de pépé, attends. Il faut éviter que ça se mette en veille quand même. Mon dos de pépé, ça. Arrête. Mais en fait, le truc, c'est que je sais jamais. Si je vais être bien dedans ou pas. Notamment au niveau du... de l'assise. Ah, Herman Miller. Non mais ça va, oui. Non mais le mec, tu veux pas non plus que j'achète carrément un truc à 1000 balles aussi. Elle est pas chère. Ouais, c'est ça, ouais. Herman Miller, je sais que c'est un truc relativement... chéro, relativement coûteux. Je sais. Des trucs que je sais pas. Mais ça, je sais. Ça, je sais, j'avoue qu'il y a des trucs que je peux potentiellement pas forcément tout savoir. Mais quand même, la Grupsel d'IKEA. Hop là. Hop là. J'ai une course à faire à Kekenheim. C'est sur le chemin de ta prochaine arène, si je m'abuse. Tu veux m'accompagner? En route, mauvais trou. Kekenheim? Tu joues debout et tu le saoules pas. Eh ben, dis-toi que je voulais à la base acheter un bureau assis debout. Et après, j'ai vu le tarif. Ah, excuse-moi, bureau assis debout à 600 balles. Celui que j'ai, je l'ai payé 399. Je joue sur les genoux, mais bien sûr. Bien sûr. Mec, j'achète une carte graphique à 2000 balles et attends, ce n'est pas tout. Non mais là, en vrai, le seul truc qui me manquerait dans le setup là, je pense, c'est une deuxième lampe pour en mettre une de chaque côté pour avoir un beau flux lumineux. Ça, je pense que ce serait pas mal. Et une deuxième webcam pour la mettre en vue du dessus en fait, pour pouvoir faire des puzzles. Pour pouvoir la mettre en vue plongeante en fait, surtout comme ça je pourrais montrer les choses qui se trouvent en dessous. Non mais c'est surtout pour pouvoir faire des puzzles en fait, et ça j'ai envie de faire des puzzles. Et le problème c'est que mets ton téléphone. Mais non, je vais pas mettre mon téléphone. Non, je vais prendre la streamcam de Logitech.
Et du coup, je vais prendre le pied de Elgato qui permet de ramener, de partir en courbe comme ça là. Perpendiculaire. Comme ça. Et je la mets pile en dessous. Et du coup, on peut voir mon bureau et tout. Et je peux faire justement un petit setup puzzle, tu vois. Le système D. Ouais, mais je suis pas fan. J'ai pas envie d'utiliser mon téléphone en fait. Déjà que les batteries d'iPhone, c'est pas incroyable. Alors en plus, si j'utilise le téléphone pour faire ce genre de truc, c'est terminé. C'est au revoir, ciao quoi. T'as pas un ancien? Non, bah justement, j'avais acheté celui-là parce que mon ancien était mort. J'avais acheté celui-là parce que mon ancien téléphone, il avait cramé quoi. Il avait cramé, il s'allumait pas. En vrai, sans déconner, c'était un truc trop chelou. Parce que le téléphone, il fonctionnait nickel. J'ai juste acheté un nouveau téléphone parce qu'il commençait à vraiment dater. Et je voulais faire de nouvelles photos, etc. etc. Je voulais faire de belles photos et l'autre, ça pas faire de très belles photos. Du coup, j'achète l'iPhone et je me dis, je vais donner mon ancien téléphone à ma mère. Et genre, je le prépare et tout. Tout fonctionne bien, je le mets à charger. Je le débranche, je le laisse genre d'à côté parce qu'ils arrivent le lendemain. Je vais récupérer le téléphone quand ils arrivent, un peu avant qu'ils arrivent. J'essaie de l'allumer. Le téléphone ne fonctionnait plus. Il avait rendu l'âme. Je pense que le téléphone, il s'est dit, vas-y, je veux pas que ce soit ta mère qui m'utilise. Ah ouais, non, il avait totalement rendu l'âme, le téléphone. C'était un truc de fou. Un truc de fou. Non, c'était le Samsung S7 Edge. C'est-à-dire, et je l'ai acheté au moment de sa sortie. Putain, mais il y a toujours pas de chaussures, quoi. Je suis obligé de me taper des vieilles choses de dégueulasse. Donc je sais même plus. Je dirais 2012, peut-être, la sortie de l'iPhone du Samsung 7 Edge. Quelle année est sorti le Samsung 7 Edge? Il est sorti en 2016. Et mon iPhone, ça fait, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 3 ans peut-être que je l'ai maintenant. 2 ans et demi, 3 ans. J'adore sa coupe de cheveux, mon perso, c'est un truc de... Donc ouais, non, franchement... En vrai, iPhone, c'est compliqué, premier abord, à prendre en main. Parce que bah c'est un tout nouveau système, quoi, tu vois, c'est pas... D'ailleurs, attends, est-ce que j'avais terminé mon équipe, moi? Escroco, je l'avais gardé. Je crois qu'il y avait que Bleuzeil, mais du coup, il me faut Ectoplasma. Bah, en fait, au début, j'aimais pas du tout. En fait, j'avais acheté l'iPhone et je me suis dit, je vais le renvoyer parce que je n'aime pas du tout. Et au final, bah, je suis resté un peu encore. Je me suis dit, bon, il m'a quand même coûté 1200 balles, quoi. On va... Ou 800 euros, je sais plus combien il m'a coûté. Et en gros, bah... Je me suis forcé un peu et au final, bah, maintenant, en vrai, j'aime bien. Ça dérange pas. C'est le temps de prendre ses marques, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Le temps de prendre ses marques. Et au final, maintenant, j'aime bien. Et en fait, je me rends compte que je ne pourrais pas changer de... Je pourrais plus quitter Apple, en fait. Je suis rentré trop dans Apple. C'est que, en gros, bah, le problème, quand t'es chez Apple, bah, tu prends les écouteurs. Les écouteurs, ils ne fonctionnent que sur Apple. Enfin, du moins, ils fonctionnent aussi sur les autres téléphones, mais en fait, tu ne peux rien faire. Tu peux juste écouter. Tu peux pas appuyer sur les boutons, rien. Y a rien qui fonctionne. Donc voilà, si t'achètes une montre par exemple, bah la montre, eh ben, elle ne fonctionne que avec les téléphones Apple. Je parle de l'Apple Watch, hein, du coup. Magnifique, tu débordes de féerie. Xiaomi que j'ai. Bah, en vrai, moi, si je change de téléphone, je reprendrai un iPhone. Je prendrai les derniers, tu vois, genre le dernier iPhone qui va sortir. En vrai, je le prendrai pas, mais pourquoi pas, tu vois. En vrai, c'est parce que maintenant, j'ai trop de trucs Apple. Ça veut dire que là, si je change,
que je retourne chez Samsung par exemple ou chez un autre, bah déjà il va falloir que je me réhabitue au Play Store. Surtout que j'ai des applications sur Apple que j'ai acheté. Donc voilà. J'ai les écouteurs, j'ai l'Apple Watch, enfin, j'ai trop de trucs. T'es douillé dans tous les sens. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Là, à partir du moment où tu commences à prendre des trucs Apple, en fait, tu commences à prendre un téléphone, ok. Si tu prends que le téléphone, en vrai, t'es tranquille. Par contre, si tu commences à prendre le téléphone, les écouteurs, l'Apple Watch, la tablette, par exemple, là, c'est mort. Tu peux plus changer, en fait. Ou alors, bah, tu revends tout. T'avances à collecte badge. J'ai étudié les ruines d'Olchester sur tous les angles, l'épée et le bouclier. Quel genre de Pokémon sont-ils et où pourrait-on les trouver maintenant? J'ai tellement de questions, je pensais jeter un œil aux tapisseries. Braum! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Stade de Kickenheim a tremblé. Oh, un peu sous le stade, il y a une salle de réacteur dont s'occupe Heroes. Directeur des sources d'énergie réagit. Dimaxé, les Pokémon en ville? J'ai l'impression. Tony à Percy, je ne savais pas que vous étiez en ville. Ça a méchamment secoué. Le président Sheroz est encore en train de tester une nouvelle invention. Ça craint, des Pokémon risquent de se dynamaxer en plein Kickenheim. Si c'est le cas, c'est grave. Je vais prévenir le président. À tous les coups, tu vas encore te perdre, je t'accompagne. T'en fais pas pour cette histoire de secousse, on va se renseigner avec Tarak. Toi, continue de t'entraîner, je rêve de te voir combattre en finale. Puis je récupérerai le badge du stade de Ludester. Lucra des MDD. Ok. Merci. Ah, Nabil, casse les couilles. Je changerai quand celui-là sera en fin de vie. Ou en galère. Bah ouais. En vrai, par contre, il y a un truc. Mais que moi, j'aime bien. Franchement. Par contre, je ne sais pas si c'est une information réelle, tu vois. Mais ça te donne le pourcentage de vie de ta batterie. C'est-à-dire pas le pourcentage de batterie qui te reste dans le téléphone. Le pourcentage de vie de la batterie. Genre par exemple, depuis que j'ai le téléphone, du coup, l'usage de la batterie, elle a diminué. Et là, je suis à très exactement 85% de l'état de santé de la batterie. Et ça, en vrai, je trouve ça cool. Je vais mettre ça. Et je comprends pas que justement tout le monde ne le fasse pas. En vrai, ça te permettrait notamment de voir si ta batterie est réellement morte ou pas. En combien de temps? Depuis que je l'ai, donc je l'ai depuis depuis le Covid. Donc 2020-2021. Donc ça fait 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. D'abord la forêt, ensuite le quiz absurde, je commence à en avoir marre, mais bon, me voilà. Tu viens avec moi sur la route 7, un peu de concurrence m'aiderait à retrouver la motive. Alors la batterie d'iPhone, ça a jamais été incroyable. La batterie, elle tient une journée. Elle tient la journée. C'est-à-dire que... je pars de chez moi. C'est sûr que arriver au soir, tout dépend de ce que je fais. Mais moi, je sais que bah, si je pars de chez moi à 4 heures, bah, au bout d'un moment, j'aurai plus de batterie quoi. Je peux faire un jour et demi. Tu joues avec mon stream Twitch? Mais pourquoi tu bloques ton stream Twitch sur ton téléphone? Quoi cette histoire? Pour voir mon retour? Pourquoi tu mets pas ton retour sur ton deuxième écran? J'ai OBS, mais tu sais que sur OBS, tu mets le truc et tu l'as. Hein.
Sur OBS, tu rajoutes la page. Ouais, c'est ce que je faisais avant. Waouh, Escroco, il a pris de tarif. La carte graphique buggée? Ah ouais? Ah bâtard, t'as abusé ça. Il utilise une hyper potion quoi, carrément, on en est là. Let's go. Caraba faut monter au niveau 35. Il veut apprendre exuviation. Baf n'a pas appris avec du viation. Envoie un ronflex. Ronflex. Vas-y, je vais garder ce Pokémon là. Alors ça fait quoi de beau aujourd'hui les gens? Ah attendez, je vois que là il y a un petit truc. Hein. À Diablo saison 1. Et alors c'était bien Diablo saison 1. Aïe. Et tu la win ta game de CSGO du coup? Ah loser! Bouh, t'es nul! Ouah, c'est marqué efficace, efficace mon cul, ouais. Récupère gagne des points d'expérience. Go rythmique. Pep 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 pep.
Oh bah alors toi mon pote. Toi t'es un homme mort. Hop, ça dégage. Rebond, c'est de la merde ça, non? Ah, c'est une compétence vol. Le lanceur bondit très haut et plonge sur l'ennemi au second tour, peut aussi le paralyser. Ah, attends, ça peut être sympa ça. À place de flamèche. Peut aussi brûler. Vas-y, on tèche flamèche, on met ça. J'ai vu bientôt une console portable Sony, mais c'est pas vraiment une console portable Sony, c'est plus un truc qui te permet de pouvoir jouer à ta à ta play de n'importe où dans ta maison. Un afflamoir. Allez, ça dégage. Le Zay monte au niveau 40 et il va prendre Vantardise, mais il ne l'apprendra pas, c'est de la merde. J'ai battu Nabil le dresseur. Si j'hésite en combat, c'est sûr que mes Pokémon ne vont pas réaliser tout leur potentiel. Ah, non de chocolat. Et que se passe-t-il? Waouh. Oh, il a quand même beaucoup trop de classe ce Pokémon. Lumino canon. Mais lui on s'en fout, on va le tège. On s'en fout de Buzzay. Dans tous les cas, il est dégagé. Corvinus. On va quand même bien le monter au cas où qu'on le garde pendant un moment quoi, mais... Ça a déjà une vidéo, ça serait sous Android. Ah ouais, bah, il y a beaucoup de trucs qui sont sous Android. Tu sais, avant qu'on parte à l'aventure, je mettais tout le temps les combats du frangin à la télé et il m'en mettait toujours plein la vue. Je réalisais bien qu'il était fort, mais pas à quel point. Non, je sais, clairement, il me manque quelque chose pour arriver à son niveau. C'est pas grave, je vais continuer de m'améliorer, mais merci de me laisser tester mes tactiques. Un super pote, bouge pas, je guéris ton équipe. J'en suis sûr maintenant, je peux défier mon frangin et le vaincre. Je vais vaincre le maître invaincu. Yo Fleury, comment ça va? Ça va bien? On va vaincre le maître invaincu. Oh, il a beau. Beau lui, hein. J'ai fait quoi à mon micro? Pourquoi?
pas comment ça j'ai fait quoi à mon micro. Je mets pas dans la pièce à côté quand tu parles. Ah oui, oui. Parce que je suis affalé dans mon dossier, c'est pour ça. Ta ta ta. Kyle le chauffeur. Bon, ça va, ça a passé une bonne journée. Ouais. C'est ok, ça fait quoi de beau. J'ai envie de tester Lumino Canon pour voir ce que ça donne. Ok. Magasin et lecture. Ok. Il est même pas mort quoi. Je vais me le rendre confus avec ça là. Ah non, c'est bon. Puriglon. Je le connais pas ce Pokémon là. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais mettre un hydro-queue peut-être. Je sais pas. Libre à quoi? Non mais Lumino Canon, c'est une compétence type quoi? C'est un type acier. Ok. Il y a un petit miaouss là à droite. La route numéro 8. J'ai l'air d'avoir un monde mon pote. Par contre Fantominus il apparaît que la nuit ou je rêve? Mais sinon, il est nulle part, gros. Oh, si je me gourre. Comment on fait une recherche? C'est trié par ordre alphabétique. Moi je cherche ces Fantominus. Fantominus habitat. Il est que là. Ah, il est que là. Ah oui, d'accord. Il est même pas là-bas, quoi. Ah, attends, non. Il est là aussi. Habitat de Fantominus. Au plateau de Kickenheim. Je suis pas allé ici. Ça me dit rien. Ah si, je crois que j'y suis allé. C'est quoi comme Pokémon ça? C'est pas ce que je veux. Oh
Oh, ma cogneur. Incroyable ça. Chercher pendant je sais pas combien de temps. Tu sais quoi, on va aller le capturer. Il a des pop. Ah, vide-moi, c'est sérieux? Mais non. Alors je le vois plus. C'est là. Ah non, c'est un match chopper. Ma cogneur, il a plus de bras, pardon. Au 31. Mais du coup, pour avoir un Maconian, je suis obligé de faire un échange. Relou, hein, par contre. Hein. Ah, il veut pas en plus, salopard. Ah, il va pas vouloir. Vas-y, go le buter, tant pis. Ah. D'accord. Là il fait nuit, normalement il devrait y avoir les autres qui arrivent quoi. Y'a moyen que je l'attrape là. Allez. Allez. Let's go! Petit match chopper là, ça fait plaisir ça. Raichu qui monte au niveau je sais pas combien. On va le mettre dans l'équipe. Bon, Fantominus là. C'est quand même scandaleux de pas trouver de Fantominus, putain. Ça. Là, j'ai but ok là. On s'en fout de ce Pokémon là. $25,000 en plus. Même pas genre il y en aurait eu deux, non. Vraiment une chipotée. C'est vraiment là, hein. Vraiment dans... Là, quoi. Peut-être parti un peu loin là, non. Oh, où je suis. Du géant. Ah attends. Enfin. Là je suis où? Plateau de Kickenheim. Le géant.
Pas de géant. Faut que j'aille dans le plateau de Kiffenheim, moi. Ah, laisse-moi tranquille. En plus, il fait nuit, genre. Putain. Je comprends pas qu'il spawn pas. On en a vu un au début du jeu et maintenant on va plus jamais en croiser quoi. Ça me rend fou cette histoire. Je vous jure hein. Faut pas que le smiley pour dire où t'es est pas assez gros. Et en vrai je voyais pas. La carte. Ah c'est le smiley. Ah le smiley c'est moi sur la carte. J'avais jamais tilté. C'est quoi ça? Je crois qu'il apparaît pas dans cette zone là. Bien. Retourne là où j'en ai vu pour la première fois, la dernière fois. Forcément, je vais en recroiser un quelque part. Hein. Je suis à deux doigts d'aller sur le Pokémon Home et prendre mon ectoplasma. Vine-moi, c'est relou. Franchement, je pense que je vais faire... Ah non. Je pense que je vais finir par faire ça. Hein. Le ballon de baudruche là. Et pareil, j'avais rencontré un ronflex la première fois que je suis arrivé dans cette zone et depuis. Il va commencer à faire jour en plus. Ah, il est là.
J'essaye. Ah, c'était chiant. C'était pas prévu que ça lui fasse aussi mal, hein. C'est marqué, non, c'est pas censé lui faire aussi autant de dégâts normalement. Hein. Allez, vas-y. Ah, allez, par pitié. J'ai envie de pleurer. C'est pas possible en fait, genre. Non mais sans déconner, par contre, le jeu il se fout de ma gueule là, c'est pas possible. Et je vais pleurer en fait, genre. Et le jeu il se fout de ma gueule, c'est pas possible en fait. Merci Cyril pour le follow, bienvenue à toi, welcome, comment ça va? Oh mais c'est trop, mais vraiment, mais là... Je vais tomber en dépression là, c'est pas possible. T'en fous du gros truc là, donnez-moi un Fantominus, merde! Va faire jour dans pas longtemps, j'en suis sûr. Le seul Fantominus que j'ai trouvé, j'ai réussi à le buter comme un connard. Quoi. Scandaleux. Pas par là, je crois pas. La volonté de nuire. Tête de sable.
Et donc, elle lui a fait des dégâts de zinzin, ça. Et je vais finir par pleurer, hein, sérieux. Non mais vraiment, mais... Les jours là, il fait toujours nuit, j'arrive pas à savoir avec la tempête de sable. Mais non, mais laisse-moi tranquille, toi. Oh, il est niveau 50 en plus. C'était où que j'avais croisé le l'ectoplasma tout à l'heure chez LG, je sais même plus. C'était par... C'est quoi ça? J'en peux plus. Je crois que c'était par là. Mais c'est trop en fait.
Putain, mais faites spawn un Fantominus là. Mais sans déconner. La zone là et là. Elle est censée avoir un Fantominus là. Et je sens que je vais juste pas me faire chier. Je vais aller chercher mon Fantominus que j'ai dans le Pokémon Home et ça sera remballé, c'est pesé. Hein. Je vais faire une. Une razzia de Fantominus, moi, tu vois. Abandonné, ça m'a saoulé. Ah, il va les avoir facilement, toi, les Fantominus, dans ce jeu-là, Floel, toi.